Bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer l'échauffement. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, avec cette histoire de coronavirus, on est tous obligés de rester à la maison. Donc, faites attention à vous, faites attention à vos proches. D'accord? Comme le dit le petit panneau ici, pensez à rester chez vous. D'accord? Donc, on va commencer. Ciao! Alors, pendant l'échauffement, je vais souvent compter. Et parfois, je vais compter aussi en vietnamien. Donc, comme ça, ça vous permet aussi d'apprendre un peu cette langue. Ok? Alors, les mains sur les hanches, on tourne la tête. Rotation, tranquillement, sans forcer. On change de sens. On essaie d'avoir le regard devant. Allez, maintenant, on va regarder à droite et à gauche. Toujours pareil, sans forcer, on ne va pas au bout. On détend bien les épaules. Maintenant, on va faire haut et bas. Toujours pareil, on regarde le plafond, on regarde le sol. Voilà, et légèrement sur le côté. Alors, sur le côté, ne forcez vraiment pas. Laissez tomber votre tête. D'accord, c'est pas un mouvement naturel de la tête, donc on y va tout doucement. Voilà. Bien, maintenant, on va créer les épaules. On va balancer les bras devant. On va faire des grands mouvements, des très grands mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, en arrière. Bon. Aïe. Ba. Bon. Nam. Sao. Bai. Tam. Tse. On va laisser les bras tendus, on va faire des petites rotations tranquillement vers l'arrière, voilà, tranquillement, les bras bien tendus vers l'avant, voilà, et maintenant on va balancer un bras devant, tranquillement, et on va balancer l'autre bras vers l'arrière. Bon, on revient à bras tendus. Petit mouvement de rotation vers l'avant maintenant. Et pareil, on va balancer le bras opposé vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Voilà, on peut se perdre un petit peu, c'est pas grave, essayez de reprendre le fil. Ok, allez, on va monter un peu les coudes, on va aller chercher derrière tranquillement. Toujours pareil, là on va essayer de mettre une petite frappe. Une petite frappe vers l'arrière en même temps, sans forcer. Voilà, juste tendre le bras. On tourne bien la tête. Ok. On va travailler maintenant sur le bassin. Donc, on va faire des petits mouvements avec le bassin. Tout petit, on va garder les jambes, écart naturel. Et là, on va essayer d'agrandir un petit peu au fur et à mesure. On agrandit, on assouplit. Voilà. On essaie d'avoir le buste le plus droit possible, on se penche légèrement vers l'avant. Pareil dans l'autre sens. Petit mouvement, on essaie de bien sentir son bassin et on agrandit. Ok, très bien. Ok, on relâche. Ici, on va écarter légèrement les cuisses, poser les mains sur les genoux. On va faire une rotation vers l'extérieur avec les genoux. Voilà, sans avoir les jambes écart. Ok, même chose vers l'intérieur. On peut travailler la rotule. Voilà, ok. Très bien. On va maintenant travailler sur les poignets. On va essayer de faire une rotation sur les poignets. Et en même temps, travailler sur les chevilles. Sur le côté. D'accord ? On va travailler tranquillement comme ça, les poignets, on peut changer, cheville, hein, haut et bas, sur la pointe des pieds, sur les talons, pointe des pieds, talons. On pense à changer aussi la rotation des poignets, ça nous permet de travailler aussi la coordination. Donc, bon exercice. Ok, on va relâcher tranquillement. On relâche. On va travailler maintenant sur les jambes. Donc, on va travailler sur un coude. Pied de face, d'accord, coup de pied de face. Donc on va se mettre en dintan, jambe gauche devant,
une garde. On essaie d'avoir les mains un peu hautes, pas trop basses. Ici, on va simplement balancer la jambe devant et en même temps, venir toucher la jambe avec le bras. Le bras ne doit pas aller vers le bas. On va essayer de tendre le bras devant et on va chercher le pied en même temps. Ici. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe. 1, 2, on change de bras évidemment. 3, 4, 5. Ok. Ça, vous pouvez le répéter jusqu'à 10. Bien, maintenant, on va travailler sur les genoux. On va monter le genou gauche et le genou droit. Ok, on alterne à chaque fois. Et ce qu'on va faire en plus, on va venir avec la même main, on va venir la placer en garde ici et ramener le genou au coude. Ok, on fait droite et gauche en alternant. Bon, high, bas, boom, nam, sao, bai, tam, tsin, mei. Ok, donc ça, c'est une garde aussi, d'accord? On peut se servir comme garde. Ok, tranquillement maintenant, on va passer à une posture pour décontracter un petit peu le bas du corps. On va venir en dintan. Dintan, position jambes avant pliées, jambes attendues, comme vous l'avez dit Jean-Yves sur la première vidéo. C'est la position du clou. Et on va changer. On va souffler, on va essayer de descendre en gardant le buste bien droit. On change. On change. Ok, on revient, jambes écart. Et de cette position, vous allez plier la jambe droite, donc la jambe qui se trouve ici. On va la plier et venir poser la main derrière et détendre un petit peu. On change de côté, toujours pareil. Et on change encore une fois. On garde, on essaie de ne pas trop se pencher en avant. Ok. On détend un petit peu, poignet. Ici, on va essayer de garder l'équilibre en prenant la jambe et en la ramenant vers la fesse. On tient quelques secondes. On change de côté. Pensez aussi à souffler régulièrement. De ne pas vous asphyxier. Ok, maintenant pareil, on va ramener la jambe à la poitrine. Et on essaie de rester dans cette position en équilibre. On pose la jambe, pareil de l'autre côté. Et on essaie de ramener le pied vers soi. Pas garder le pied ici, on ramène le pied. Ok. Ok, on détend un petit peu tout, tranquillement. On va passer aux positions abdominaux, d'accord? Donc ici, genou plié, on est là. On va simplement, pour le moment, décoller le buste, la tête, ok? Pas tout le dos. Et on va venir chercher les chevilles, d'accord? C'est vraiment le buste qui bouge. Et on ramène à chaque fois la main qui ne va pas chercher la cheville, on la ramène ici au niveau de la tempe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, vous pouvez jusqu'à 20, pareil. Tant pis, bon. On va prendre la position de détente, qui ne doit pas durer trop longtemps. Donc c'est une jambe tendue, une jambe pliée sur les coudes. Ça va permettre de respirer, d'accord? On garde toujours la tête bien au-dessus. Ok. On va se replacer tranquillement, venir croiser les jambes. Et là, le buste, ok, va simplement se lever. Coude, gauche, touche le genou droit. Ici. Et l'autre pareil. D'accord? On croise. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose, position là d'attente. D'accord? Donc jambes tendues, genoux pliés sur les coudes. Et là, vous respirez. Ok, on va passer à un autre exercice d'abdominaux. D'accord? Donc ici, très important, c'est d'avoir toujours le dos à plat. D'accord? Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va mettre les mains sous les fesses. On va croiser les mains sous les fesses afin d'avoir une bonne assise. Et on pose. D'accord? En aucun cas, le dos, les lombaires, ici, doivent faire un creux. Si vous sentez que ça tire au niveau des lombaires, il faut arrêter, c'est que la position est mauvaise. Donc, on rectifie. D'accord? Là, ce qu'on va travailler, les abdominaux du bas. Donc, c'est là que ça va tirer. En aucun cas, dans le dos. Donc, je me positionne. Je lève un peu les fesses. Je pose mes mains. Et là, j'ai mon dos qui est bien placé. La tête levée. D'accord? On va simplement, pour commencer à détendre, pédaler un petit peu. En avant, en arrière. Et là, je vais monter et descendre. On essaie de garder les jambes tendues, les pieds collés. Alors, ça ne sert à rien de descendre pour l'instant très très bas. Le but, c'est de travailler l'abdominaux. Donc, pas trop forcé au départ. Dès que vous sentez que le dos se creuse, vous rectifiez la position. Et là, on descend. Mort. High. Bas. Boom. Nam. Sao. Bai. Tam. Tsin. Meuil. On contrôle. Je repasse en position d'attente ou de. Enfin, d'attente, on va dire. Ok? Toujours, on respire. Ok, cette position va passer sur le ventre. D'accord? On est ici, on essaie de garder les pieds le plus allongés possible. On va s'allonger, c'est de se grandir. On va passer ici, on va avoir le visage à ras du sol, sans toucher. Pensez à la poussière aussi. Ok, et là ce qu'on va faire simplement, on va lever le buste et descendre. Toujours sans forcer. Je dois contrôler la montée et je dois contrôler la descente. D'accord? On va y aller jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je vais rester en haut un petit peu. Je vais bloquer en haut, garder la position. Je dois toujours garder le sol. En aucun cas, je regarde comme ça. D'accord? Les cervicales doivent s'allier sur la colonne vertébrale. Et on redescend. 1, 2, 3, 4 et 5. On va se remettre maintenant à genoux. Travaillez tranquillement les poignets, les doigts, je vais penser un petit peu sur les doigts, fermez les poings, ouvrez le poing, fermez le poing, ouvrez le poing. Et là, on va travailler le coude. Donc le coude, c'est aussi un mouvement dans les arts martiaux, un blocage, d'accord? On va venir au-dessus de la main et en dessous. 1, 2, 3, 4. Ça, vous pouvez le faire point fermé ou main ouverte. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de côté. Main sur le coude, je monte au-dessus, en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Ok, de cette position-là, maintenant, on va passer en position de gainage. D'accord ? Donc, pour cela, il faut vraiment avoir les fesses, d'accord ? À l'horizontale, d'accord ? Pas au-dessus de la tête, ni en dessous. Il ne faut pas cambrer le dos, ni avoir les fesses qui remontent de trop. Donc, on va poser sur les coudes, ici. Je vais simplement venir mettre sur les genoux et je vais me laisser tomber en avant et naturellement, j'ai la position qui m'en va bien. Je vais tendre les jambes et venir poser les deux coudes et ramener les deux mains ici, serrées. Et je vais simplement tenir la position. Donc là, tout le corps travaille, les abdominaux, les jambes, tout. Ok ? Donc, on va compter jusqu'à 10. Mop. High. Bas. Boom. Nam. Sao. Bye. Tam. Tsin. Meur. On pose les genoux et on ramène tranquillement. On va détendre un petit peu les bras, les épaules. Ok. On va se remettre en position gainage, toujours. Ici, je descends sur les coudes. Je lève les genoux. Et là, je vais lever une jambe. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pose. Même chose à droite. Hop. High. Bas. Boom. Nam. Je pose. Je vais lever un bras. Le bras gauche. Le tendre devant. Mop. Aïe. Bas. Bon. Nam. Je pose. Le bras droit. Mop. Aïe. Bas. Bon. Nam. Ok. Maintenant, cette position, je lève une jambe et un pas. Mop. Aïe. Bas. Bon. Nam. Je pose. Mop. Le bras opposé, évidemment. Mop. Aïe. Bas. Bon, nam. Et je pose. Et je ramène tranquillement. Je détends les bras. Je pense à souffler aussi à chaque fois. D'accord ? Soufflez pas vraiment. Pensez à souffler. Si, soufflez. Soufflez dès que vous le pouvez. J'inspire. Je souffle. Dernier exercice. On va passer en position pompe. Donc là, c'est la même chose que le gainage, sauf que là, on ne va pas se mettre sur les coudes, on va rester sur les mains. D'accord ? On n'écarte pas trop les mains, on ne les ramène pas trop, on garde les doigts vers l'avant, on ne les rapproche pas comme ça, vers l'avant. Donc toujours pareil, je suis ici, je me laisse tomber, je tends une jambe et l'autre. Pour ceux qui ont des difficultés à faire des pompes, donc pensez. Vous pouvez garder, rester sur les genoux. Simplement, on va essayer de reculer un peu les genoux. D'accord ? On ne va pas rester comme ça à faire ceci. Ça ne sert à rien. On va poser les genoux le plus loin possible. Et là, on va descendre. Je plie, je monte. Je plie et je monte. Ok, on y va pour 10 pompes. Donc, on va les compter. On va essayer de les faire tranquillement. Pensez à contrôler la montée et contrôler aussi la descente, très important. Alors, position, on y va. Mop. Hi. Bas. Bon, on ralentit. Nam, on ralentit. Sao, on ralentit. Bye. Tam. Tse. Meur. Ok, on pose les genoux et on détend tranquillement les bras. On monte droite, gauche. Ok. Cette position, voilà. On peut faire simplement maintenant une minute de retour au calme, d'accord ? Pour cela, position à genoux,
les mains sur les genoux, pouce index, et on pose tranquillement les mains sur les genoux. On détend les épaules, la tête, on ne se penche pas en avant, tête bien droite, comme si on avait un fil qui nous tirait la tête vers le plafond, qui nous gardait comme un pantin. Et là, on ferme les yeux et on souffle. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On ne pense qu'à sa respiration. On inspire et on souffle. Ok. Donc ça doit durer une minute, 1 minute 30, comme vous le sentez. Ça peut durer même 4-5 minutes, c'est à vous de voir. Le but, c'est de ne pas s'endormir surtout. Ok, parce qu'on détend et ensuite on a encore du travail. Donc je vais repasser la main à Jean-Yves. Ok, Chambay. Allez, merci à tous. Ciao.